Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024, il est 17h et j'ouvre la 18e vidéoconférence de la série des Galactiques 2024 dont le thème est la vie en parallèle sur Terre des proto-humains et humains archaïques et des anciens extraterrestres. Je rappelle à toutes fins utiles que toutes les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres, transmises noir sur blanc, à l'écrit et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre, Zen, depuis le début de l'année 2016. Voilà donc 8 ans. La présentation d'aujourd'hui est un extrait d'une conversation que j'ai enregistrée le 13 janvier 2020. Je vais d'abord vous présenter un résumé succinct de l'évolution de la vie selon les recherches sur Terre, puis la version extraterrestre de leurs interactions avec les espèces humanoïdes. Sur Terre, les scientifiques proposent 3 versions de la théorie de l'évolution, mais seulement 2 sont reconnues. Ce sont, premièrement, le darwinisme. Cette théorie suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent des modifications morphologiques et génétiques au fil du temps et des générations. La sélection naturelle est le mécanisme clé de cette théorie où les individus les mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire. La deuxième théorie s'appelle la théorie synthétique de l'évolution. Elle est aussi appelée la synthèse néo-darwinienne qui combine les idées de Darwin sur la sélection naturelle avec les connaissances modernes de la génétique. Elle explique l'évolution comme un changement résultant de processus tels que la sélection naturelle, la mutation et la migration et le flux génétique. Et la troisième théorie, non reconnue par les sciences, est le créationnisme, c'est-à-dire la croyance que l'homme et l'univers ont été créés par Dieu. Selon cette vue, issue de récits religieux, comme celui de la Genèse dans la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais cette théorie ne repose pas sur des preuves empiriques et n'est pas testable selon les méthodes scientifiques. Selon la seconde théorie, c'est-à-dire la théorie synthétique de l'évolution qui est la plus récente, la vie sur Terre a connu un développement long et complexe pour arriver à l'Homo sapiens sapiens que nous sommes. La chronologie s'étale en 7 grandes étapes. Premièrement, la formation de la Terre. Il y a environ 4,6 milliards d'années, la Terre s'est formée à partir de l'accrétion de poussière et de gaz dans le système solaire naissant. Deuxièmement, l'apparition de la vie, probablement à partir de micro-organismes, il y a 3,5 milliards d'années. Ces premiers êtres vivants auraient pu se développer dans des environnements tels que les cheminées hydrothermales des grands fonds marins. Troisièmement, l'oxygénation de l'atmosphère. L'atmosphère terrestre s'est enrichie en oxygène grâce à la photosynthèse des premières algues et bactéries, ce qui a permis le développement de formes de vie plus complexes. Quatrièmement, l'évolution des organismes multicellulaires. Les premiers animaux multicellulaires ont fait ensuite leur apparition, suivie par une diversification rapide des formes de vie. Cinquièmement, l'émergence des vertébrés.
y compris les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, sont arrivés ensuite. Sixièmement, l'apparition des premiers hominidés, il y a environ 6 à 7 millions d'années, qui ont divergé d'un ancêtre commun avec les chimpanzés. Donc il y a eu un proto-humain unique et puis ensuite ça s'est diversifié en chimpanzés d'un côté et en hominidés de l'autre, marquant le début de la lignée humaine qui aboutissent à l'Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens. Et septièmement, l'émergence de l'Homo sapiens, notre propre espèce apparaît ensuite depuis l'Afrique et se répand sur toute la planète en y développant la culture et la société grâce notamment au langage et à la pensée symbolique. Passons maintenant à l'histoire de l'humain moderne selon la version de mes contacts extraterrestres. Les Lyriens extraterrestres fuyaient leurs planètes Lyra et Avalon dans la constellation de la Lyre qui était colonisée par les races reptiliennes. Ces dernières continuèrent à les chasser jusque dans notre système solaire et à leur tour, les races reptiliennes furent chassées par les forces de la Fédération galactique engagées au combat. Ils se sont confrontés d'un côté et d'autre sur Mars dans une guerre intense et les deux camps ont subi de très lourdes pertes. Les Lyriens, notamment ceux de la Fédération galactique, sont arrivés sur Terre. Ils se sont retrouvés face à des races d'humains qui y habitaient déjà. Il y avait plusieurs espèces humanoïdes appelées les Homo capensis, les Néandertaliens, les Denisoviens, mais qui venaient déjà de proto-humains. Entre-temps, les reptiliens qui avaient eux aussi réussi à rejoindre la Terre ont essayé de créer une nouvelle race d'humains en transformant l'ADN des prisonniers de guerre lyriens qu'ils avaient transformés en esclaves et qu'ils avaient rassemblés dans des camps qu'ils appelaient les Jardins d'Éden. Cette nouvelle race s'appelait la race adamique. Ces expériences génétiques ont duré environ 2500 ans. La race adamique était sous la domination des reptiliens et de la civilisation de l'Atlantide. Du point de vue des proto-humains ou des humains archaïques, il existait à cette époque des Homo capensis qui avaient un volume crânien estimé entre 1700 et 2000 cm3, ce qui est considérablement plus grand que la moyenne de l'Homo sapiens moderne, et leur crâne était plus allongé. Ce sont sans doute les crânes de différentes espèces d'Elohim, des Pléiades ou de la constellation du Triangle, qui ressemblent aux Lyriens, puisqu'au départ, ce sont aussi des Lyriens qui s'étaient installés dans ces deux systèmes stellaires. Mais sur Terre, les Homo capensis ne sont plus considérés comme une espèce distincte, mais seulement comme une variété d'Homo sapiens. Il existait aussi à cette époque des Néandertaliens qui s'étaient propagés du Portugal vers l'Europe, vers la Mélanésie et vers l'Australie. Ils étaient robustes, avec un corps trapu, des os lourds et des muscles développés. Ils avaient un gros crâne avec une crête frontale importante, une voûte crânienne longue et basse et pas de menton. Ils avaient des adaptations génétiques favorisant la propension à être matinale, peut-être en réponse aux fortes variations saisonnières de la longueur du jour et de la nuit. Et il y avait également à cette époque-là les Denisoviens qui s'étaient développés en Sibérie et au Tibet et en Mongolie. On les retrouve dans certaines populations humaines modernes, comme les Tibétains, qui possèdent une mutation
favorisant une meilleure adaptation à l'altitude. Tous ces proto-humains et ces humains archaïques étaient des groupes de chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient en fonction des saisons et de la disponibilité de la nourriture, des troupeaux et des ressources. Ils présentaient des caractéristiques distinctives. L'ADN des proto-humains endémiques, les Néandertaliens, Capensis ou Denisoviens, n'a pas été modifié par les espèces extraterrestres vivant sur Terre. Ils ont évolué avec les Lyriens en se mélangeant socialement et en s'accouplant entre eux. Les proto-humains, à l'origine, ont été implantés sur Terre au moment où la Terre pouvait les recevoir, la faune et la flore par les Arcturiens et les lignées proto-humaines par les Étortans. Les paléogénéticiens terrestres ont confirmé que ces groupes d'hommes fossiles, les Néandertaliens et les Denisoviens, se sont bien métissés avec notre ancêtre Homo sapiens de type lyrien. Mais enfin, évidemment, les scientifiques ne précisent pas que ce sont des lyriens. Ils parlent de proto-humains ou alors d'humains archaïques. Par exemple, 80% des Tibétains actuels sont porteurs d'une mutation d'un gène qui permet une meilleure distribution de l'oxygène par le sang et une meilleure adaptation à l'altitude. Ces informations génétiques proviennent d'un métissage avec les Denisoviens, qui sont plutôt de ce côté de l'Asie. En 2010, une équipe de recherche a découvert un hominidé inconnu dans la grotte de Denisova, située en Sibérie. L'analyse de l'ADN a révélé que l'individu était une adolescente dont le père était un homme de Denisova, donc plutôt du côté Asie, et la mère, une femme de Néandertal, qui s'était étendue aussi dans cette région. Quant à la coexistence des trois groupes, il est estimé que les Néandertaliens et les Homo sapiens de type lyrien se sont côtoyés durant 1400 à 2900 ans. Les Denisoviens auraient vécu aux côtés des Homo sapiens pendant des millénaires. Les Homo sapiens sapiens que nous sommes devenus ont hérité d'une petite partie de leur ADN, celle des premiers Homo sapiens de type lyrien, qui étaient des extraterrestres ou ceux de la race adamique, des Néandertaliens et des Denisoviens en raison des croisements et des hybridations qui ont eu lieu entre ces espèces dans le passé. À la question posée, pourquoi les Néandertaliens se sont-ils éteints? Ont-ils été exterminés? Mes contacts m'ont répondu, on pense que leur espèce s'est éteinte à cause de la désintégration de Tiamat et le déluge qui s'en est suivi, mais ils ont été aussi exterminés par les lyriens extraterrestres ou ceux de la race adamique. Dans les groupes, certains individus, que ce soit les Néandertaliens ou les Lyriens, étaient plus avancés moralement, spirituellement que d'autres. Il y avait donc probablement des divergences d'opinion. Certaines personnes s'entendaient bien, d'autres étaient exploitées. À une autre question posée qui est, les Néandertaliens existent-ils encore sur d'autres planètes où leur espèce est-elle complètement éteinte? Ils m'ont répondu, compte tenu de l'immensité du cosmos et du fait que de nombreux animaux coexistent dans différents systèmes stellaires et sur leur planète, il est fort probable qu'ils existent ailleurs. Et donc, sur une planète et un environnement qui n'est pas encore extrêmement développé. Sur Terre, vous transportez encore
la génétique des Néandertaliens, des Denisoviens en vous. Il est bien établi que les humains modernes, non africains, ont hérité d'environ 1 à 4% de leurs gènes de l'homme de Néandertal, et les populations mélanésiennes actuelles ont jusqu'à 4 à 6% de leur matériel génétique provenant des Denisoviens. Ces pourcentages reflètent les épisodes d'hybridation qui se sont produits entre nos ancêtres et ces espèces humaines, archaïques et proto-humaines. Par ailleurs, le chiffre de 22 types de gènes annoncés par mes contacts extraterrestres n'est pas reconnu dans la littérature scientifique comme une classification standard du génome humain. Notre génome est le résultat de multiples épisodes d'hybridation et de flux génétiques avec différentes populations humaines archaïques, mais il n'est pas divisé en un nombre fixe de types de gènes. Les gènes que nous avons hérités de ces hybridations peuvent influencer divers aspects de notre biologie, tels que notre système immunitaire, notre adaptation à l'environnement et même certains de nos comportements. La recherche continue pour découvrir sur Terre comment ces gènes archaïques contribuent à notre diversité génétique et à notre adaptabilité en tant qu'espèce. Voilà, j'ai terminé ma présentation, je vais m'arrêter quelques minutes et je reviens vers vous pour répondre à vos questions.